Salut la peuplade, ici Lundistrife et bienvenue dans cette vidéo où je vais enfin vous présenter le produit que je vous ai teasé à travers les deux fausses pubs. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite tout de suite à aller les regarder, vous avez le lien dans la description vers les deux vidéos. Elles durent une trentaine de secondes chacune. Un petit peu d'auto-promo, ça ne fait pas de mal. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un Rubik's Cube de la marque Geeker. C'est même un super cube, on peut le dire, dans tous les sens du terme. Sur la boîte, vous avez la représentation de la face jaune du Rubik's Cube avec le système de recharge, j'en parlerai un peu plus tard. La boîte est noire et contient quelques informations en chinois. Vous avez des QR codes à différents endroits qui vous permettent notamment de pouvoir télécharger l'application sous Android ou iOS. Et en dessous, vous avez quelques informations classiques. Ça indique notamment le Bluetooth, c'est de 0 à 3 ans, faut éviter. Voilà, tout ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Et bah pour commencer, les languettes collantes qui sont sur les côtés ont elles-mêmes des petites languettes qui leur permettent de pouvoir être retirées sans avoir besoin de couper à l'aide d'un couteau les languettes collantes. Donc vous retirez les deux, vous soulevez et là, vous avez le manuel qui tombe. Normalement, il aurait dû tomber avant, mais ça vient de se foirer total. Donc vous avez... J'avais prévu que le manuel tombe et dire « Oh, ça m'a fait la même chose la première fois, mais bon là, ça a raté, quoi. Voilà. C'est... Ma vie est nulle. » Je suis mauvais. Même mes blagues foireuses, je les foire. Vous voyez? Bref, on a le Rubik's Cube qui, pour moi, je vais vous le mettre dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que je vous le mets dans l'autre sens? Parce que, regardez, sur la boîte, il y a la face jaune. Alors, je vous mets la face jaune. Donc, vous avez le Rubik's Cube qui, pour moi, ressemble beaucoup à Fat Butcha de Ergear. Oula, j'ai eu un gros bug de Ergear, donc de l'auteur Ogure Ito. Je vous mets sa gueule en fond, histoire que vous voyez de qui je parle. Donc, moi, il me fait penser à Fat Butcha. Et vous avez le Rubik's Cube qui est sur un petit socle, un petit piédestal où c'est marqué Geeker de chaque côté. Et je me débarrasse de ça. Il n'y en a plus besoin. Et en fait... Il est 6... Regardez. Non, pas du tout. En fait, il y a 4 petits picots qui permettent de le tenir, qui vous permettent d'avoir en fait un petit support pour votre Rubik's Cube, comme ça, là que vous le posez, ça le surélève, c'est joli, tout ça. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Le manuel. Alors, j'ai une péripétie avec du café, qui m'a coûté un clavier d'ailleurs. Eh bien, le manuel a pris tarot, puisque lui aussi s'est bouffé le café dans la tronche. Mais en même temps, c'est pas trop grave parce que le manuel est écrit complètement en chinois. Ça dit qu'il faut avoir l'iOS 8.0 ou minimum l'Android 4.4. Le KitKat, il me semble qu'il s'appelait aussi. C'est tout ce qu'il faut au minimum pour pouvoir faire fonctionner sur Rubik's Cube. Hein? Oui, je vous l'ai pas dit, mais sur Rubik's Cube, il est connecté. Sinon, qu'est-ce qu'il foutrait dans la série des UTR? Mais ça, j'en reviendrai un peu plus tard. Donc, dans la boîte, vous avez le manuel, le Rubik's Cube avec son petit arceau qui sert aussi de système de recharge. Vous avez un port micro USB juste ici. Et lorsque nous soulevons sur les côtés, du côté vert et du côté bleu, nous avons un petit trou. Je vous montrerai en photo pour que ce soit plus clair. Vous avez un petit trou et vous mettez juste en fait cette partie-là dans les trous. Il n'y a qu'à ces endroits-là qu'on peut le recharger. Ça permet de le recharger. Ça permet aussi de le maintenir. Ensuite, dans la boîte, il y a un tout petit compartiment en dessous. Mais ce compartiment ne cache rien d'autre. Voilà, il est entièrement vide. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de câble micro USB fourni avec. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je leur en veux de ne pas m'avoir fourni un câble micro USB. Bon, j'en ai des dizaines à la maison, mais ils m'auraient fourni un câble micro USB. Je leur en aurais voulu de m'avoir fourni un câble micro USB, parce que j'en ai des dizaines à la maison. Vous comprenez un peu mon désarroi, là? Ouais, parce que d'un côté, je suis en train de dire c'est dégueulasse de ne pas l'avoir mis, mais ça aurait été autant dégueulasse de l'avoir mis. Ouais, c'est bizarre, je sais, ouais. De toute façon... Je suis pour le mouvement anarchiste et impérialiste des manchots. Bon, ça c'est une chose. Voilà, toujours est-il que c'est tout ce que nous avons et c'est tout ce que nous avons besoin. Ce petit cube, qu'est-ce qu'il a de bien? Bah déjà, le fait qu'il soit connecté à votre... possiblement à votre smartphone, puisque vous pouvez l'utiliser sans la connexion. Le fait qu'il soit connectable à votre smartphone vous permet en réalité de pouvoir, grâce à l'application Supercube, application que je vous mets tout de suite, paf, en parallèle, grâce à cette application, eh bien, vous pouvez... jouer avec votre cube. D'un côté, vous avez, grâce à la V2 qui est sortie récemment, la mise à jour du programme, la possibilité d'apprendre comment on utilise un Rubik's Cube, comment on résout, comment est-ce qu'on lit un Rubik's Cube, qu'est-ce que le sens horaire, anti-horaire, tout est en anglais. Alors les anglophobes, je vous sens déjà un petit peu stressé, rassurez-vous, sur YouTube, vous avez de très bons tutos en français qui vous expliquent comment faire un Rubik's Cube.
Et pour tous ceux qui disent « Oh non, mais c'est trop compliqué de faire un Rubik's Cube, moi j'y arriverai pas !» C'est que je pensais exactement la même chose, et il y a à peu près 3-4 ans, j'ai croisé un pote qui était en train de faire un Rubik's Cube, et je lui ai dit « Oh, c'est génial, j'aimerais bien réussir à faire un Rubik's Cube, mais c'est trop compliqué !» Il m'a dit « Bah non, pauvre enculé !» Oui, ce pote et moi sommes très liés. Il m'a dit « Bah non, pauvre enculé, en 45 minutes, je peux t'apprendre !» Effectivement, 45 minutes, il m'a appris une solution pour résoudre le Rubik's Cube, une des méthodes, une des nombreuses méthodes même, dirais-je, et je l'ai retenu. C'est surtout ça le plus important, parce que t'apprendre à la faire, c'est une chose, mais retenir pour la refaire plus tard, c'est une autre chose. Et donc la méthode qu'il m'a donnée me permettait, je vais dire, à l'époque surtout, de le résoudre en moins d'une minute. Aujourd'hui, je mets à peu près 2 minutes pour résoudre le Rubik's Cube avec cette méthode. Et bien là, vous avez, dans cette application, plein de petites informations qui vous permettent de comprendre comment fonctionne un Rubik's Cube et donc de pouvoir le résoudre par vous-même. Et vous avez, à mon sens, deux choses qui sont très intéressantes. Premièrement, la possibilité de pouvoir résoudre le Rubik's Cube de manière rapide, en moins d'une trentaine de coups, enfin en approximativement 30 coups. Vous mettez entre 30 et 45 secondes, une minute au grand max, pour résoudre ce Rubik's Cube, en suivant juste les étapes qu'ils vous fournissent. Mais ça ne vous apprend rien, ça vous dit juste comment résoudre au plus rapide, dans la configuration actuelle. Oui, la configuration actuelle, parce qu'à chaque fois, en fait, lorsque vous faites un mouvement, c'est enregistré dans le Rubik's, et lui-même, quand il va se connecter, eh bien, il va avoir les modifications que vous avez faites, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, inversé juste un côté, eh bien, vous aurez ce côté qui sera juste inversé dans votre application. Et l'autre truc qui est très intéressant dans cette application, c'est la possibilité que vous avez avec votre Rubik's Cube de faire un timer, c'est-à-dire que les concours du monde, les World Records, sont basés sur le fait que vous posez vos mains sur une espèce de machine. Dès que vous lâchez, le compteur démarre, vous faites votre Rubik's Cube, dès que vous reposez vos mains, le compteur s'arrête. Tout simplement. Et bah grâce à ça, en fait, grâce à ce petit programme, vous avez la possibilité de pouvoir le faire sans cette machine. En effet, lorsque vous allez faire votre Rubik's Cube, vous allez le mélanger. Et là, vous avez le timer qui vous dit que dès que vous faites le premier mouvement, le timer s'enclenche. Dès que vous finissez votre Rubik's Cube, le timer se termine. Et bah quelque part, on gagne quelques millisecondes. Ces millisecondes permettent de modifier le record du monde. J'en suis très loin. Oui, il est à moins de 5 secondes. J'en suis juste à moins de 2 minutes. Aujourd'hui. Je vous ai dit que ma vie c'était nul. Bon, on va changer un petit peu de plan pour pouvoir vous parler plus en détail du Rubik's Cube et aussi de l'application, d'une autre donnée de l'application du dit Rubik's Cube. Allez, c'est parti. Et abordons un petit peu plus en détail et de près ce Rubik's Cube. Pour commencer, vous avez donc l'espèce de petit arceau qui permet de pouvoir connecter pour la recharge à l'aide d'un port micro USB. Maintenant, on va passer à un point négatif. À mon sens, même un gros point négatif, c'est les couleurs. En effet, vous avez une face jaune, une face blanche, une face bleue, et là, vous avez une face verte pastel, une face orange, même pas rouge, elle est orange, et une face rose, rose violacée. Voilà, c'est à mon sens, le gros défaut, ce sont ces couleurs qui sont, pas naturelles, mais qui sont peu communes dans un Rubik's Cube. Et l'autre gros point noir, c'est que ce n'est pas coloré, ce n'est pas peint, ce sont des pastilles de couleurs qui ont été collées dessus. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais préféré que ce soit peint dans la masse, littéralement, pour que ce soit déjà qu'on ne puisse pas les retirer. C'est quand même beaucoup plus joli. Maintenant, un gros point fort de ce Rubik's Cube, c'est sa fluidité. Écoutez. Je trouve que ce Rubik's Cube est hyper fluide. Et vous avez aussi l'avantage, c'est que comme les angles au centre sont arrondis, lorsque vous le mettez légèrement comme ça, eh bien vous avez quand même la possibilité de pouvoir le faire tourner sur le côté de manière assez facile, même si, comme vous pouvez le voir, il n'était pas du tout centré. Et on arrive quand même à pouvoir le replacer et à le faire tourner. Ça, c'est pour moi un point qui est ultra positif avec ce Rubik's Cube, c'est qu'il est super, super, super agréable. Au niveau sensation de tournage. Voilà, c'est pas très France, mais c'est pas grave. Maintenant, on va passer aussi un petit peu à l'application en elle-même pour vous montrer en direct, en fait, ce que l'application apporte au Rubik's Cube. Pour ça, il vous suffit de connecter votre Rubik's Cube en ayant le Bluetooth et la géolocalisation d'activer, puisque celui-ci utilise la géolocalisation. Vous connectez, donc là, ça recherche s'il y a un super cube dans le coin. Si ça met du temps, c'est pas normal, parce que normalement, j'aurais déjà dû le trouver. Donc voilà, ça a trouvé mon Rubik's Cube, ça a mis que quelques secondes. Généralement, c'est ultra rapide. Là, je sais pas pourquoi il a mis un peu de temps, mais c'est pas grave. Et je l'ai appelé Ic. C'est le cubique. Cette blague est nulle. Donc, je connecte mon Rubik's Cube. Comme je vous l'ai déjà montré, nous avons l'interface et nous allons passer à, en haut à gauche, vous avez le symbole du Rubik's Cube qui vous permet de vous présenter votre cube. Vous pouvez y changer le nom
de votre cube. Si vous êtes connecté à Internet, eh bien vous aurez aussi votre identifiant. Là, j'ai fait exprès de ne pas me connecter à Internet parce que j'ai pas envie non plus. En fait, il est en mode avion, mon téléphone. J'ai pas envie d'être dérangé en pleine vidéo. Si vous êtes connecté à Internet, vous avez en plus votre petite tête. Vous avez le nombre de total steps qui ont été faits, c'est-à-dire le nombre de mouvements. Regardez, hop, j'incrémente le mouvement, hop, voilà. Et en plus, vous avez vu ça bouger. Vous avez le pourcentage de la batterie à l'intérieur. Et vous pouvez reset le cube. Après, vous avez des mini-jeux qui, eux, sont simplement plein de petits jeux qui sont assez sympathiques. Notamment le Cube Miner, que j'aime beaucoup. Le Color Memory, c'est un Simon Says. Je vais pas vous faire la liste de tous les jeux. Je fais une coupure à cet endroit-là car j'ai rajouté 5 minutes d'explication inutile et redondante. Et pour la bonne compréhension de la suite de la vidéo, sachez juste que j'ai mélangé le Rubik's Cube. Voilà, et si vous vous amusez à mélanger votre cube... Et que vous allez ici, vous verrez que votre cube est mélangé comme je l'ai fait. Donc soit on le résout à l'aide du smart timer, donc qui va se gérer tout seul, soit on utilise tout simplement la méthode que eux proposent, c'est-à-dire le quick solve en orientant le cube tel quel. Sauf que moi, je vais détourner le cube de la mini caméra pour pouvoir le résoudre rapidement. Donc c'est parti, on suit juste les étapes. Et vous voyez que j'ai 32 étapes à faire. Et j'ai décidé de le mettre en fast pour que ça tourne beaucoup plus rapidement. C'est parti. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer qu'il est, il est possible de réaliser en moins de 30 secondes le Rubik's Cube et d'épater vos amis. Ça c'est tout ce que je voulais vous montrer sur ce Rubik's Cube là que je trouve super génial. Personnellement j'en suis tombé amoureux. C'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, d'avoir un Rubik's Cube qui soit capable d'être connecté à un téléphone et donc de nous apprendre d'un côté comment résoudre un Rubik's Cube, mais aussi d'avoir des mini-jeux parce qu'on peut faire des tas de choses avec. C'est là où c'est plutôt cool, c'est que le Rubik's Cube permet aussi de faire de jolis dessins en faisant trois fois rien. C'est pour ça que je trouve ce produit et cette application vraiment génial. La marque, c'est Xiaomi. Je vous ai dit Geeker tout à l'heure, mais c'est Xiaomi. Et je trouve qu'ils font vraiment quelque chose de génial. Quand on compare les prix en France d'un Rubik's Cube classique, on se rend compte que notre Rubik's Cube, on va le payer à peu près une vingtaine d'euros. Et bah, pour un truc connecté et de cette qualité, le prix que moi j'ai payé, enfin le prix que je vois sur le site actuel, je trouve que c'est pas cher payé. Clairement, surtout quand ça arrivera en France, on le trouvera pas à moins de 60 balles. C'est vraiment un des meilleurs produits high-tech que j'ai pu présenter, même si c'est juste un jouet, si des gens vont se dire c'est trop compliqué, etc., bah grâce à ça, ils peuvent apprendre. Il y a une petite histoire bien sympa qui nous permet d'apprendre et après, il suffit juste de voir les images et de suivre ce qui est dit. Tout nous est expliqué. Donc, on peut apprendre, même sans connaître la langue de Shakespeare, on peut apprendre à résoudre le Rubik's Cube et les techniques surtout pour le résoudre. Voilà, ça nous donne plein de techniques et ça, je trouve ça génial. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette vidéo est bientôt terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao !